Hey cucu mes petits cuves, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Donc comme la semaine dernière, c'est le même discours puisque j'enregistre à la suite. Je n'ai pas modifié encore le jardin et donc le discours reste le même. J'aimerais trop le faire en fait avec vous en live, mais ça, eh ben, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, si ça fonctionnera un jour. Je ne sais pas si ce sera sur YouTube ou sur Twitch. En tout cas, aujourd'hui, on continue l'émission pour le DLC Garden de House Flipper. Comme nous avons fait, voilà, c'est cool, on fait des petites missions, on découvre le DLC petit à petit, et puis c'est tout aussi cool, quoi. Alors, est-ce qu'on fait la commande de Sandra ou de Monica? Sandra, elle veut mettre de l'ordre dans un jardin, Monica veut une aire de jeu à la place d'un parking. La dernière fois, on a fait de l'aménagement. Plus d'aménagement, alors je vais peut-être faire de l'ordre dans le jardin, et on verra bien si ça... si la mission n'est pas trop longue ou si elle est assez longue, et ben voilà, on se contentera de ces trucs là. Commande, mettre de l'ordre dans un jardin. Bonjour encore, malheureusement mon voyage d'affaires s'est considérablement prolongé. Je ne sais pas qui vous êtes, mais bon, c'est pas grave. Je ne rentrerai qu'à la fin de cette semaine à la maison. Je veux simplement me détendre et je pense que le désordre dans le jardin pourrait sérieusement m'énerver. S'il vous plaît, rangez-le et tondez la pelouse cordialement. Ok, bon, ben voilà, on va tondre de la pelouse hein, on va tondre la pelouse. Ah oui, c'est quand même... bien fouillu. C'est quand même bien fouillu tout ça, madame. J'ai l'impression d'être chez moi. Il va falloir faire une petite épilation parce que là, ça ne fonctionnera pas. Hein, je vous le dis tout de suite. Tondre la pelouse et enlever les mauvaises herbes. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a peut-être deux parcelles. Je ne sais point. Ah ouais, punaise, mais regardez-moi cette... Oh, la pelouse de l'enfer. Il n'y a que ça à faire. Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Non, ok, bon, bah, on va retourner là-haut, j'allais dire, devant. On va regarder ce qui se passe dans la maison. Je suis coincée. D'accord, c'est une toute petite maison, c'est une maison qu'on avait déjà vue. Ok, très bien. Bon, ouais, on s'en fout. Alors, on retourne ici. Je sors ma débroussailleuse de l'enfer et on va commencer à surmer des fermes parce que... tourne la pelouse, bien évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus cool, Raoul. Surtout que j'ai l'impression que je vois pas ce qu'il fait, donc du coup, vous voyez, je fais comme ça, mais... Il est gentil, mais c'est très en bas et on voit pas. Si je rate des touffes, et ben... bon, après, c'est assez simple hein, de faire la tondeuse, faut juste balayer l'écran. Après, on va se choper une crampe au doigt. On va rester appuyé comme ça, mais bon. Où suis-je? D'accord. Regardez, j'ai des petites touffes. Oh, vous avez des petites touffes? Oh. Mais là, je passe dans l'arbuste. Celui-là, il reste. Hein. Quand c'est des fleurs, par contre, ça ne passe pas. Hop. La, 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 la. Je pense que je vais m'amuser, je vais essayer de faire des crop circles dans la pelouse. Ça pourrait être rigolo. Ouais, je me mets au milieu de la pelouse et je tourne comme ça, comme ça. Après, il y aura... Voilà, ça va pas. Et en plus, ça coupe les mauvaises herbes. Donc, je dis, j'ai pas besoin de m'emmerder comme ça, regarde. Tac, 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 tac. Je fais que de tourner la pelouse, oh ouais. On va attendre des... Attendez, la pelouse, je sais, je l'ai déjà faite, hein, mais vous savez très bien que moi, les vannes, elles sont pas très renouvelées, hein. J'ai pas pris un abonnement vanne nouvelle, je suis pas abonnée chez, comment il s'appelle, Gad Elmaleh, hein. Donc, les vannes, c'est les miennes, et si elles sont nulles, et ben, c'est au moins, je les assume. Je ne les vole pas à autrui. Attends, il y a une touffe, là. Mais je vais devoir mettre la flashlight, hein, bientôt. Voilà, là, droit devant. Chut. Où ça? Là? Comme je vous dis, en fait, comme je vois pas où il va, parce que là, comme... Enfin, ouais, non, j'arrive pas à visualiser bien... Hein. On est bien, Jean-Marie? Ah, attendez, on va faire un petit crop circle. Chut. Bon, il est pas très beau. Aïe, 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 aïe
On dirait le cul d'une vache. Non, c'est en fait comme je veux faire ça. Ah, remarquez, si on fait des formes. Il y a moyen de faire des formes jolies, hein. Il y a moyen de faire des trucs un peu jolis, peut-être. Je pense. C'est pas le but du jeu, mais. Il reste des touffes, non? Moi, je rase les bords. Mince. Hop. Tant pis, on y va. On y va, on y va. Hop. Regardez-moi. C'est parfaitement parfait. Les côtés du jardin sont parfaitement rasés, de très très près. On félicite. On vous félicite, madame. Shirley Industries et votre pelouse est bien finie. Là-bas. Alors, bien sûr, à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas du tout vos réactions sur les deux derniers épisodes de Game of Thrones. Oh là là! Oh là là! Ça, j'en ai parlé déjà dans l'épisode précédent, donc je tournais juste avant. Mais non, j'ai pas vos réponses, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, tout ça. Et à l'heure où vous regardez cet épisode, je suis en vacances. Je me dors les fesses, ou pas. Vaut mieux pas d'ailleurs pour la santé de tout le monde. Je me dors tout court, peut-être s'il fait beau, en Corse, du côté de Porto Vecchio. Peut-être à la plage, peut-être fera-t-il assez beau pour que je puisse bronzer et puis je vais essayer de faire un rond. Ah non, mais je suis nulle! Ouais, bon. Donc je suis actuellement en vacances. Pas le moment où je parle. Mais voilà. Donc je ne verrai vos commentaires vraiment ben, depuis mon petit PC portable, ma petite tablette. Et je serai contente de voir vos messages. J'espère aussi qu'il fera beau, chaud, pour que voilà, je puisse essayer de mettre un maillot, que je ressemble à une baleine échouée et que j'aille me noyer dans l'eau claire. En plus. C'est un appart auquel je vais et l'appart il est à 150 mètres de la mer quoi. C'est un peu le pied parce qu'on y va à pied et puis voilà quoi. Puis la plage elle est belle, elle a l'air grande et belle donc c'est assez cool. Et puis comme on y va début juin, on se dit bon il y aura peut-être pas encore trop de monde. Donc c'est cool. Ouais, c'est trop bien le fait que je coupe les plantes avec. Oh là là, comme ça j'ai pas besoin de faire deux fois le boulot. Allez, coupe, coupe, coupe. Allez, voilà. Il y en a un qui. Voilà. Non mais dis, on résiste pas, Charlie Industries. Et peut-être que quand vous regarderez cet épisode, je pourrai éventuellement prétendre à la fibre. Oui, la sainte fibre. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais j'adorerais l'idée que d'ici 2-3 semaines, je puisse souscrire à la fibre parce que j'en ai ras le bol. Puisque ça fait quand même un moment qu'on a dit oui dans l'immeuble pour avoir la fibre et que ils l'ont. Les mecs, les techniciens, sont venus le 8 mars chez moi pour installer. Alors, pas chez moi, mais dans mon immeuble. Et qui m'ont dit oui, ce sera bon, d'ici la semaine prochaine, vous pourrez souscrire. Et en fait, depuis, que dalle. Je passe chez. C'est Free qui l'a installé, donc j'ai regardé chez Free, je ne suis pas éligible. Depuis plus de 2 mois, j'en ai marre. Et donc chez les autres, bah, c'est pas mieux. Donc en fait, c'est bien beau de faire installer la fibre pendant un jour et demi, mais si c'est pour pas l'avoir vraiment, je fais comment? On est marre. Non, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est chiant. Internet, c'est lent et tout. Enfin, il y a l'upload des vidéos, mais celles de Housekeeper, elles sont lourdes. Du coup, ben, je pense aussi, c'est pour ça que j'avais pas réussi à faire de live, mais bon, je réessayerai. Du coup, j'en ai pour des heures. Il faut que je prévoie à l'avance et tout. C'est hypnotique, je trouve, là, la façon dont je tonds la pelouse. Même moi, je suis hypnotisée et tout. Ça doit tellement pas être passionnant, la vache. Alors, c'est quoi là? Tu vas faire un épisode et tu fais quoi dedans? Bah, je tonds une pelouse. Et? Ah bah non, je tonds une pelouse. D'accord, mais tu. Oui, je tonds une pelouse, oui. Ouais.
C'est ça mon épisode. Et encore heureux, je gagne pas de l'argent dessus. Imaginez le délire. Après, en parlant d'argent, vous pouvez toujours regarder les pubs sur Utip qui sont dans la description. Chaque visionnage d'une petite pub m'apporte entre 4 et 5 sinflous, je veux dire, non, euros. 4 et 5 centimes d'euros, et s'il y en a plusieurs, et eh bien ça me rapporte jusqu'à 15-20 centimes, peut-être, un truc comme ça. Et tous les jours, ben, vous arrivez à fonctionner très rapidement à 1 euro par semaine, et c'est énorme. À vous tout seul, en fait. Donc après, je sais qu'il y a d'autres créateurs qui sont aussi sur Utip, et vous pouvez aussi regarder des pubs pour eux. Donc voilà, vous êtes bien déjà des amours à les regarder assez régulièrement chez moi, et du coup, ça m'a permis aussi de prendre le DLC. Donc c'est vraiment adorable. Mais vous pouvez toujours continuer à le faire. Je ne vais pas vous l'interdire. D'ailleurs, c'est franchement cool parce que franchement, faire des dons après à des youtubeurs, des personnes qu'on ne connaît pas, tout ça, qu'on peut dire oui, j'aime ton contenu, mais au final, on les connaît pas, les personnes et tout, c'est un peu compliqué. Moi, dans ma vie de consommatrice, pas en tant que youtubeuse, mais en tant que consommatrice, alors que je faisais déjà des vidéos, hein, j'ai donné très peu. Seulement deux personnes, et ben je l'ai regretté. Donc voilà, je me dis, c'est compliqué de donner de l'argent, tout. Finalement, après, on est déçu et tout. Alors que là, au moins, ce qui est bien avec Utip, c'est que vous ne perdez pas votre argent. Vous participez, mais c'est pas, voilà, c'est pas une perte pour vous, en fait. Vous donnez juste du temps, et puis après, bah, même si la personne vous déçoit et que vous la suivez plus. Vous vous dites, bah ouais, bah, j'ai juste perdu mon temps à regarder des pubs, et puis voilà. Vous avez moins de regrets que d'avoir donné de l'argent. Voilà. Puisque moi, j'aime pas trop. Enfin, je vais pas dire que c'est pas cool de recevoir de l'argent, mais c'est gênant. J'ai pas cette habitude de recevoir des trucs gratuitement, en fait, des cadeaux et tout, et ça me gêne beaucoup, parce que je sais jamais quoi dire. Et après, on me dit, bah tu dis merci, et puis c'est tout. Oui, non, mais oui, mais j'aimerais aussi. Dire que bah c'est pas obligé, qu'il y a vraiment que je me débrouille quoi pour acheter les choses et tout quoi. Mais c'est très gentil à chaque fois quoi. Puisque j'ai certaines personnes qui m'ont déjà fait des dons en live et tout, donc c'est trop mignon, c'est trop gentil. Bref, on s'en fout. J'étais là pour dire qu'on a bien terminé de tondre la pelouse, tondre la. Attendez, on y est. Ah non, il en reste Jean-Jacques. Oui, je suis pas du tout menaçant, moi, avec ma débroussailleuse de l'enfer. J'ai tout fait? Non, j'y crois pas. Je raconte ma life qui est pas intéressante. Bah, si, y a encore un truc là. Attendez, non, c'est là. Si, c'est fou comme il y a des trucs, en fait, je les vois pas. En fait, quand il y a des petits trucs verts qui giclent, c'est dire que je l'ai eu, mais. Il y a un petit truc là. Hop, je l'ai eu. Là, il y a un truc là. Hop, on l'a eu. C'est quand même beaucoup plus beau, non? Le jardin. Ah, il y a encore des touffes, hein, regardez. Oh là là, c'est pas bien fait, madame. Il y a des petites retouches à faire, là. Le maillot. Oups là, c'est parti. Le maillot n'est pas parfaitement parfait. J'ai dû la voir. Là-bas. Voilà, ça c'est fait. Je vais passer comme ça sur le bord. C'est bon. Là, il y a une belle touffe là. Hop là, madame. C'est réparé. Là, là, ici, ici, ici. Là, droit devant. Il y a encore une touffe là-bas. Non, mais après, voilà, moi je veux mériter mon salaire hein, quand même. Hein. C'est parce que je vais laisser 2-3 poils qui dépassent. Donc non, ça se fait pas. Hein. Vous imaginez aller à la plage et avoir des poils qui dépassent? Bon, bah non. Voilà. Hop. Là, je regarde même pas le jeu, je regarde la minimap. Je me repère à la minimap, quoi. Parce qu'on voit les touffes. Bon, bah je pense que c'est bon cette fois-ci. Ah, j'ai même pas le jet d'eau. J'aurais voulu faire un petit jet d'eau. Allez, on va tenter une nouvelle mission du coup. Et on récupère 350 euros pour avoir tendu la pelouse. Attendez là. Et on est reparti. On va aller voir tout de suite une autre petite mission.
Hop, hop, hop. Bon, il nous en reste aucun, donc ce sera l'aire de jeu à la place d'un parking. Bonjour, nous avons besoin de faire quelques changements autour de notre maison. Nous avons un grand parking. Nos petits-enfants ont appris à courir et nous ne voulons pas qu'ils jouent près des voitures. Veuillez donc transformer une partie de cette zone de stationnement en un paradis pour enfants de 3 ans. Ce serait bien d'y avoir au moins des balançoires, bac à sable et un terrain de football. Merci d'avance de votre aide au nom de moi et de mes petits-enfants, Monica Misiak. Allons-y. Ah oui, quand même, c'est pas un petit parking. On dirait que c'est un parking de supermarché, quoi. Pfiou! Oh, la baraque! Non, mais on peut pas les visiter, vous êtes sérieux? J'ai encore plus envie de la visiter. Elle est énorme. Elle est énormousse. Vous savez ce que je veux faire? Ben oui, je veux regarder ce qu'il y a dans la maison. Non, mais... Oh non, ils nous ont eus! C'est même pas meublé, on dirait que c'est de la terre. Il n'y a même pas de sol. Je suis tristesse. Regardez, c'est de la terre. Il n'y a même pas de sol. Ils ont fait une énorme baraque. C'est quoi ces trucs? Attendez, eux, ouais. Il y a un truc bizarre. Ouais, je sais pas. Ah! Oh! Ah! Bonjour! Bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ah, il y a un balcon! Ah, mais elle est trop cute cette maison! Il y a moyen de la refaire en Sims, hein? Alors, ici. Ça m'a l'air bien. Vide aussi. Bah, monsieur! Bah, monsieur, vous êtes trompé, vous avez mis des fenêtres, ça doit être des portes! Mais oui, vous êtes bourré, qu'est-ce qui s'est passé? L'architecte, il a pas fait ce qu'il fallait? On peut pas. Ah, c'est chiant par contre. Un petit plongeon. Oui, je sais, j'aime bien. Alors, on va aller ici, puisque c'est ici que ça se passe. Enlever l'objet 41 fois pavé à chevron oblique. Disperser la surface sable. Fixer aire de jeu. Placer carrousel. My God! Alors, ils disent 41 pavés et il y en a 77. Je dois faire quoi? Je dois faire ça? Ah! Et puis il y a tout ça. On est d'accord. Ok. En plus, je récupère de la thune. Je le vends et je récupère de la thune. Mais ouais, c'est bien, hein, comme ça on voit ce qu'on peut faire et tout en termes de déco de jardin et tout. C'est assez sympa. Bon. Il va y avoir. Pas besoin de mettre de la pelouse, hein, on est sûr, hein. Jusqu'ici, j'imagine. Bon, on va procéder comme ça. Ouais, c'est très passionnant. Donc, vous voyez, je suis tellement concentrée que j'en parle plus. Tchoum, avec le bruit là. Tchoum, tchoum, les petites piécettes qui tombent dans le porte-monnaie. Ok. La surface, sable. Ah, jardinier. Équipé, esprit jardinier. Je vais faire déploiement du gazon. Voilà. J'ai dû oublier. Sable. Surface. Sable carré. Ben oui. Ah oui, il y a sable rond et sable carré. Non, je vérifie un truc. Achat multiple. Ah oui. Bah oui. Oh là là, ça va être chiant. Ça va être chiant. Ça va être tellement chiant. Je détends ma main. Allez, cocotte. Il va falloir que tu sois fixe là. Et voilà, j'ai raté. Ah mince, j'ai vendu un truc. Oh, on s'en fout. Oh, on s'en fout. Fallait pas être là. Merde. J'ai bavé. Chef, j'ai bavé. C'est horrible. La meuf, elle est bourrée. Carnage. Ce carnage de l'enfer.
J'arrive pas à aller droit, quoi. C'est trop moche. Oh non. Attendez. Hop. Ok, bon. On va essayer de faire quelque chose. Bon, bah, quitte à aller jusqu'au bout, hein, moi j'ai envie de dire. Mais reviens! J'ai fait un truc très très moche dès l'entrée, alors on va assumer, on va le faire en entier parce que. Sinon, bonjour. Hein. Ah! Le jeu qui rame. Ah! Je me mets bien en face, sinon mon truc il va partir. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Hein, c'est pas droit du tout. Ça fait n'importe quoi. Heureusement qu'en repassant dessus, ça fait pas des montagnes. Non, c'est juste la texture. C'est un peu comme les textures de terrain dans les Sims. Oh là là! Les carnages! Oh, on s'en fout. Voilà, on va faire à l'arrache comme ça. Voilà, tout va bien. Hop. Ouais. C'est. Ah non, mais. Ça devient n'importe quoi ici. Je comble les trous quand même. Non, j'ai dépassé. Oh. Oh merde. Je sais pas si on peut enlever, en fait. Une fois qu'on a posé. Je sais rien du tout. Parce que là, on va le mettre. Écoutez, on va remplir. Bon. Ouais, je pense que finalement, la tondeuse, c'est pas mieux. Enfin, c'est mieux, je veux dire. Mais tout ce qui est comme ça, la texture, ça va être une vraie galère, hein. Bon, j'ai bientôt fini. Mon Dieu. Alors qu'il est normalement avec tout ce sable que j'ai mis à certains endroits, il devrait y avoir des montagnes russes. Hein. Mon Dieu. Regardez comme c'est beau, c'est propre. Je sais pas si on peut enlever, en fait. Ou alors il faut que je mette un rouleau d'herbe. On sait quoi, on va tenter le rouleau d'herbe. La petite musique qui va bien. Ça efface un peu les conneries, hein. Ouais. Ou pas trop. Voilà, on s'en fout. C'est moche, mais au moins ça déborde plus trop ici. Donc, alors ça c'est le sable. On se croirait à la playa. Oh ben, peut-être que j'y serai au moment où vous regardez la vidéo. Peut-être pas. Ah, je sais pas. Je croise les doigts. Parce que vu le temps qu'il y a en ce moment, en tout cas sur Paris, c'est pas terrible. Fixer aire de jeu. Aire de jeu. Je suis panne. C'est quoi cette musique là qu'ils nous ont sorti? Aire de jeu. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour le petit aire de jeu. Je vais mettre un truc plus pastel. Voilà. Qui reste un peu ou alors comme ça reste un peu plus comment dire neutre au niveau des du sexe. On va le mettre au fond, hein. On va pas s'enquiquiner, hein. Hop, allez, on va l'installer. J'espère que ça va pas être complicado. Ah bah, ah non, c'est ah bah, ils nous ont cassé les burnes au début du jeu. Avec tous leurs boulons, là, les machins. Là, c'est d'une simplicité sans nom. Regardez, j'ai juste. On n'est pas obligé de faire un à un et tout. Et ils ont compris que c'était. Ça aurait été 10 fois trop long, je pense, surtout. Regardez, c'est moignon! Est-ce qu'on peut grimper? Oh, regardez les voisins! Oh! Les voisins! Moi, j'ai grimpé sur l'échelle! Gna 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 gna! Hop! Hop!
Merde. Je peux glisser sur le toboggan. Gna 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 gna. Oui, je sais. Toujours les délires. Chez Charles Industries, on vous installe un truc. Et vous inquiétez pas, on en profite aussi. Est-ce qu'il y a pas d'enchoir bon. Voilà. C'est bien. Et carousel Azobi. Azobi. C'est ça. Ah, c'est ça. Bon, c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'autre couleur. Oh, le machin. À force, il tourne dessus et puis il s'en va dans l'espace, le truc. On va te mettre là. Et puis, il n'y a pas à l'installer. Placer l'objet de Dawae cheval à ressort. Dawae? Alors, c'est... Ah bah, c'est ça? Mais c'est pas un cheval, ça! Qu'est-ce que c'est moche! Et puis là, par contre, il n'a pas besoin de... On peut pas customiser. D'accord, tu vas te mettre là. Et on va l'utiliser, bien sûr. Down, down. J'aime trop ce bruit. C'est bizarre, tout à l'heure... Juste avant, je l'ai utilisé, j'ai entendu un mec à la place. Là, il y a eu bam bam, mais après j'ai entendu un voix qui faisait wow, 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 wow. C'est trop bizarre. Ah! Il y a un glitch, hein? C'est pas tout le temps le même bruit. J'ai entendu un truc qui cliquait. Bon, je vais faire pas avant faire pendant 10 ans, mais... Allez, une dernière fois. Ah bah non. Bon, bref, c'est peut-être moi qui déconne. Eh oui, qui sait. Donc ici, on est bien, on a fini. Quoi donc? Je sais plus déjà ce qu'il fallait faire, moi. C'est tout? Non, il fallait pas faire que ça. C'est peut-être ici qu'il fallait venir. Ah! Deux? Sur cette bande-là? Ok, d'accord. Ah, mais non, mais parce que là, il faut le choper, hein. Qu'il y a un espace ici où il faut faire spécialement les... Oui, c'est parce que c'est vrai que le truc de jeu à proximité du parkinge, j'étais pas trop là... Hein, j'étais pas GG... voilà. Ok, j'ai compris. Donc ici, ça va être tous des arbus pour faire la coupure. Ah, c'est pas mal, hein. Displacer la surface gravier unicolore. Voilà, encore du bonheur. Planter 3 arbustes de conifères forme largement conique. Planter 2 arbustes de conifères forme irrégulière. La joie. La joie. On va déjà planter et après on fera le gravier. Alors, je retourne dessus parce que... 3 conifères forme largement conique. Alors, conifères... plante... Conifères... Ah bah c'est ça. Je regarde mais oui. Ok, c'est vrai qu'on a plusieurs sortes. Allez, je vais prendre celui-là. Je crois que c'est peut-être celui que j'avais déjà pris. On va mettre un là pour cacher le potal. Mais laissez-moi me diriger. On va mettre un là. Et puis même, on cache comme ça les voitures et tout, parce que c'est pas beau. Voilà, on en met 3. C'est moignon. Après, il faut... 2 arbustes de conifères à forme irrégulière. Arbustes de conifères forme irrégulière. Ça! Il m'en faut 2. Donc, je vais prendre celui de base. Ah non, mais celui-là, il est mastoc, hein. Je vais en mettre un ici. Histoire de dire que voilà, en gros, il passe là de la maison, machin, enfin. Tac. Ouais, enfin. Je peux même pas le poser, l'autre, là. Au moins que je fasse une coupure comme ça. Bon, c'est quoi? Ah, vous, je vous entendrai pas, hein, j'aurais déjà fini depuis longtemps.
Je vais inverser. Je veux vraiment qu'il y en a un qui est au milieu, en fait. Alors, attendez, je vais faire... Finalement, je vais replacer celui-là, là. Puis alors, ils sont bien lourds. Ça, je le mets là. Lui, il va aller au milieu. Comme ça. Et toi, mon petit Saint-Étienne. Je sais pas, j'ai envie de l'appeler Saint-Étienne. Alors, est-ce que c'est joli ou pas? Ben là, ça fait espacer, alors que là, c'est un peu plus près, un peu plus proche. Du coup, je vais rebouger lui. Je vais mettre un peu plus comme ça. Non, parce que j'ai envie qu'il soit face au petit potal, en fait. Ça passe. C'est moignon, quand même. Je me prends la tête, mais... Allez, on est parti. Je vais peut-être la décoller du mur parce que s'il pousse trop, il va nous déraciner les... les fondations de la maison. Fondation de la maison qui, de toute façon, est vide. Alors, on s'en fout, ah, franchement. Et alors, 1 et 2 et 3, 0. Hop. J'ai tendance à vouloir cliquer à chaque fois pour planter, mais... Pour mettre la terre, en fait, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et 1, et 2, et 3. C'était déjà avec 2, je crois. Oh, je sais plus, moi je fais plus, je sais plus. Et le petit un jet d'eau de l'amour. On va planter. Et 1, et 2. Non, celui-là c'est 3. Voilà, hop, hop. Le jet d'eau. Et 1. Et 2. Et là, c'est OK. Hop. 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 Et le jet d'eau. J'adore le jet d'eau. Je le kiffe. Et lui, c'est du coup, c'est 3, encore une fois. Et non, pardon. Eh, hey, j'ai la tondeuse. Ça va être compliqué hein, que ça soit un automatisme de faire E au lieu de cliquer. Alors, maintenant c'est bon. Faut juste que je mette du gravier unicolore. Ok, madame. Surface du gravier unicolore, carré. Ouais. Ah oui. Oui. J'ai pas envie de me compliquer la tâche. Alors, on va prendre cette couleur-là. Hop. Bon, je vais essayer de pas faire de bavure parce que... Surtout parce que là, on a le... Parce que là, à la limite, on s'en fout, on a les dalles. Et de l'autre côté, on a le sable. Et si je foire, je suis obligée de me retaper le sable. Donc, c'est un peu compliqué, sachant que j'ai déjà tout planté, mes trucs. Donc, je peux plus... Je vais avoir une manœuvre un peu complicado à faire, peut-être, je sais pas. Pour l'instant, ça passe. Je vais y aller vraiment doucement. Ce trait est tellement magnifique, magnifiquement régulier, là, pour le sable, que j'en pleurerai de joie tellement c'est beau. Ah oh bah là, ça va être bien aussi, tiens, hein, franchement... Le placement des surfaces chez sur l'industrie. Eh ben, faut repasser les examens d'entrée parce que là, y a un souci. Oh là 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 là. Oh le carnage. Bon, j'ai fait tout le côté. Maintenant, je m'occupe du côté du parkinge parce que. Voilà. Et il manque là peut-être aussi. Ok. Ah non! Oh, j'ai cliqué! Oh, j'ai cliqué en trop! C'est pas beau! Il faut que je remette du sable. J'en ai marre de moi. Attention. Concentration. C'est bon? Toutes les tâches sont terminées, monsieur!
Je rends le chantier et 5263 euros. C'est énorme. Et c'est trop bien. Oh là là. Mais oui, excusez-moi, je m'étends. Bon, sur ce, l'épisode est donc terminé pour ce nouvel épisode House Flipper DLC Garden. J'espère que ça vous aura plu. Vous n'avez pas trouvé le temps long. Surtout que c'est une catastrophe au niveau des placements et des surfaces. Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et surtout, ne vous abonnez pas. Ça ne sert à rien. Non, je plaisante. Vous pouvez toujours me rejoindre. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch. Si vous avez un compte Twitch, le lien est dans la description. Et de regarder, bien sûr, les petites pubs sur YouTube, Utip, je vais y arriver, qui est aussi dans la description. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de House Flipper Garden ou d'autres choses. Salut.